Yo la team chien à stache mou! C'est moi aujourd'hui, encore pour toi, mais c'est toujours moi. En fait, la KTM, je vous avais pas dit, mais j'ai glissé, chef. J'ai frotté le pot. Le pot était bien plat. Je vous montre ça. Comme t'as pu voir, c'est bien rayé. Donc j'ai dû l'envoyer chez Lolo, qui me l'a réparé. Lolo, c'est celui qui me l'a fabriqué. Donc je lui ai ramené et il me l'a réparé. Je vais vous faire voir ça tout de suite un peu, qu'est-ce que ça donne, si c'est mignon, si c'est beau, si c'est canon. C'est à vous de me dire, les gars. Bon, bah déjà, on se rend compte qu'elle a plus trop de pot d'échappement, la pauvre. Et en fait, voilà, là, il me l'a bleuie. Il m'a rattrapé ici, là, vous voyez bien que c'était griffé. Il me l'a refait quand même assez bien, comme il a pu. Il me l'a rechauffé au chalumeau. Je suis assez content du résultat. Seul souci, c'est que j'ai pas les joints. Et je pense que il y a deux options. Deux options. Soit j'attends de les commander, je les monte et voilà. Ou soit je fais de la saladerie. Pâte à joint. Et on va monter ça. À ton avis, qu'est-ce que je vais choisir? Tu connais, hein? Allez, vas-y, on va attaquer ça. Pâte à joint. Je vais en foutre un peu autour. Je mets le pot et je reviens. Bon, après avoir un peu galéré à le monter, surtout le ressort il est vraiment chiant, mais bon, je m'en fous, je l'ai vaincu. Je vais vous faire voir ça donne quoi, et vous me dites si vous validez ou pas. Ça va, ça s'est bien rattrapé. Je suis assez content. Donc, je vais laisser un tout petit peu. Enfin, si, je vais laisser même la pâte à joint sécher. Hein, comme vous pouvez le voir, j'ai mis de la pâte à joint. Je vais laisser sécher et on va la démarrer. On va voir ça donne quoi. Si on a un peu chaud, bah, on la teste vite fait. C'est vous qui voyez. C'est vous qui décidez, les gars. Voilà, j'ai encore la GoPro dégueulasse, moi. Regarde. Hop, c'est encore plus crade. Bon, j'attends toujours que ça sèche. Donc, en attendant, je vais vous montrer ce que le Ritano de Bordeaux a fait avec le 2,5, le bâtard. Le petit bâtard. Donc, je sais pas pourquoi je l'avais sorti, parce que j'avais envie de sortir un petit peu dans la rue, quoi, faire 2-3 bowling. Et il voit et tout, il se chauffe, ouais, laisse-moi. Il prend mon casque, heureusement d'ailleurs. Et ce narvalo, je sais pas si tu vois le levier, mais tout en bas, il est tout frotté. Il m'a arraché le cale-pied, le salaud, il m'a tordu ça. Bref, il m'a aussi un peu rayé les carénages, il va falloir que je les redécoute bien. J'attends qu'il décode de GXS, ça m'a plié un peu. Et franchement, frérot, il a fait un de ces soleils de débutant. J'en pouvais plus. Il a mis première. Il a mis deuxième en wheeling. L'erreur à pas faire quand t'as pas le frein, frérot. Ah ouais, quand tu mets deuxième, ça te met un petit coup de coupe dans ta race. Et au ralenti, je l'ai vu. J'ai vu son cul, mon gars, sur le sol gratter l'YZ sur le côté. Oh l'enfoiré. L'enfoiré. Donc là, pour l'instant, je suis un petit peu keblo, mais je m'en fous, hein, je peux le refaire. Là, je pense que si je redresse la patte et que je mets une vis, tout ça, au moins je peux rouler. Mais je vais le refaire bien là, j'attends le kit déco de GXS. J'attends les jantes super motard et les jantes cross de chez Falco. Elle va être au top du top. Donc là, j'attends plus que la KTM, la pâte à joint sèche. Et puis bah, je vais pouvoir la démarrer un petit peu, voir le bruit café. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas démarré là, ça me manque. Hein. J'espère que vous aussi. Et pas merci. Bon là, je pense que ça a un peu séché. On va pouvoir la démarrer. Prêt?
ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas démarré, donc elle a un petit peu galéré. Mais ça a l'air d'aller. Il n'y a pas de bruit de fuite de peau. Je suis content. Ça sonne plutôt bien. Maintenant, je te mens pas que j'ai un peu envie de la tester, frérot. Je vais voir si je me chauffe. Si mon frère, il est OP, là, il prend son petit van chinois, la Skyteam. Je lui mets la GoPro et on va se faire une petite balade. Je pense que c'est faisable. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Cette petite remise à niveau du GTM qui était tombée comme une Khaliata. Et là, ici, je le vois que c'est flou là. Va falloir que je règle ce problème, les gars. Expliquez-moi d'où ça vient. Là, je commence à plus rien comprendre là. Et après, on va tester, les gars, la petite bécane. Ça se voit qu'elle est riche, hein. Elle aime pas rester au ralenti, hein. Allez, vas-y. Ça se voit qu'elle est riche, elle aime pas rester au ralenti, mais c'est pas grave, tant mieux, tant mieux. Je préfère qu'elle soit riche, qu'elle soit pauvre et que je la casse. Donc voilà, les gars. On l'a remise à peu près à neuf. Maintenant, si vous êtes encore connecté, si vous voulez rester, ou peut-être que je la mettrai en seconde partie, je verrai. C'est moi qui me motivera et vous qui me motiverez. On est ensemble, la team Asadri, elle n'est jamais finie. Et hop, merci.